Cérémonie de la rupture du jeûne du mois de Ramadan à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. La communauté musulmane a respecté le rituel. Ce mardi 10 avril 2024, la communauté musulmane de Pointe-Noire a respecté le rituel de la rupture du mois de Ramadan. La cérémonie de rassemblement pour la prière de la rupture du jeûne a eu lieu sur l'avenue Charles de Gaulle à hauteur des bureaux de Mianbanzila. À la fin de la prière, Adama Soumaré, président du Conseil supérieur islamique interdépartemental Kouilou Pointe-Noire, a fait le point de l'événement. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui c'est la fête d'une rupture du mois de Ramadan. Nous remercions d'abord Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Et dans le Coran, il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés juste pour l'adorer. Donc nous remercions le Seigneur qui a permis que nous arrivions aujourd'hui au terme du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan qui a permis à chaque musulman de se concentrer avec dévotion pour remplir son droit dans l'islam. Parce que le jeûne, c'est parmi les 5 piliers de l'islam. Donc vraiment, nous sommes ravis et nous sommes contents d'arriver à la fin de ce mois de Ramadan qui est un mois sacré. Sur quoi apporter l'enseignement de ce jour? Réponse avec Imam Mamadou Koïta de la mosquée Souna. Tout d'abord, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, Allah nous a permis de voir aujourd'hui. Donc, on vient de finir le mois de carême, le mois de Ramadan. Donc, 30 jours, on a complété 30 jours. Le mois de Ramadan, il fait partie des 5 piliers de l'islam. Donc, on a accompli cette rite. Donc, aujourd'hui, on remercie tous les musulmans. Tous les musulmans aujourd'hui doivent sortir les zakat fitr pour chaque musulman, même un bébé, donc doit donner la zakat fitr. Zakat fitr, c'est le sacrifice de rupture. Donc on doit donner 2 kilos de riz à chaque pauvre. Qu'Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, puisse vous bénir. Allahu Akbar Kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة